On a la chance de pouvoir enchaîner dès demain. Donc je pense que c'est la meilleure des choses quand on sort d'un match comme contre Lyon. Le plus important, c'est d'enchaîner rapidement. Donc à nous de nous remobiliser dès demain pour ce match. Je pense qu'il ne faut pas se focaliser sur Lyon. C'est passé, c'est terminé. On a Amiens qui arrive demain et qui a un match important pour nous relancer de suite. Et puis ensuite, il y aura le déplacement à Caen samedi. C'est une équipe qui est sur sa lancée avec cette montée qui a été arrachée à la dernière seconde. Donc disons que leur début de championnat avec cette victoire contre Bordeaux leur a redonné un peu de bonus pour la suite du championnat. Disons que ça va être un match ça va être un match de coupe, un match sans doute compliqué, mais avec les joueurs qui auront l'occasion de s'exprimer, je pense que ça peut être un bon match pour nous. Le plus important, c'est de retrouver cet esprit compétiteur comme on a pu l'avoir depuis le début de saison. Contre Lyon, malheureusement, on n'a pas fait le match qu'on souhaitait faire, notamment en deuxième mi-temps. Mais au-delà de ça, ça remet rien en cause l'état d'esprit et le travail qui est effectué depuis le début de saison par le groupe. C'est toujours appréciable pour moi d'avoir du temps de jeu et puis également pour d'autres joueurs qui vont avoir la possibilité de s'exprimer aussi. C'est une bonne chose pour le groupe, pour la concurrence également. Ça peut être que positif. Ce qui nous intéresse, c'est déjà Amiens demain, de passer ce tour-là. Ensuite, on sait qu'on a une série de matchs, entre guillemets, comme vous dites, des matchs plus abordables. Donc, mais on aura le temps de s'exprimer et de préparer ces matchs-là.